Avec nous, Michaël Frossard, bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes expert en douane. Ici, la douane suisse à Martigny, il est présent tous les 6-7 ans à peu près. On a envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous venez y vendre ? Alors la douane suisse, oui, elle présente plus ou moins chaque 6-7 ans ici à la douane, sur le stand de la douane à Martigny. Vu qu'on est proche de notre centre de douane de Martigny, nous on est là justement pour présenter nos professions. Quand vous passez la frontière, souvent la douane elle est discrète, parfois elle n'est même plus là. Donc aujourd'hui nous on est là pour montrer ce qu'on fait, montrer qu'on est actif et présenter justement nos professions, nos activités qui sont très étendues et assez diversifiées. Alors on connaît surtout, je dirais le grand public connaît surtout les gardes frontières, moins les spécialistes de douane, spécialistes que vous êtes. Qu'est-ce qui fait votre spécificité ? Alors notre spécificité c'est qu'on travaille sans uniforme, sans armes, on a un travail qui est plutôt dans la collaboration au service de l'économie, pour le bien des entreprises, des voyageurs et du trafic des marchandises. On s'occupe vraiment du trafic des marchandises dites commerciales, donc ce qui transite dans des camions ou dans des chemins de fer ou même dans des pipelines. Et tout ce qui rentre en Suisse qui n'est pas lié aux touristes, aux voyageurs, mais vraiment à une entreprise, une société qui importe ou exporte des marchandises. Alors vous êtes présent à la Foire du Valais, mais vous êtes aussi très présent en Valais. Il faut dire que le Valais est un canton limitrophe, hein, tant avec la France qu'avec l'Italie. Concrètement, votre présence Dans notre présence, elle se situe tout d'abord au bord du lac. Elle commence sur le canton de Vaud, avec le port franc de Vevey, où on a une antenne là-bas. Ensuite, elle se situe à Saint-Gingolph, au bord du lac Léman aussi, l'entrée du Valais. Et elle va jusqu'à Gondeau, en passant par notre centre du port franc de Martigny, notre centre de Brigue, et l'axe avec l'Italie du Grand Saint-Bernard. Pour rester en Valais, quels sont les produits que vous traquez en priorité ? Alors, il n'y a pas de produits qu'on doit traquer en priorité. C'est surtout des produits où on doit s'assurer que les marchandises qui rentrent en Suisse ou qui sortent de Suisse le fassent le plus rapidement possible, sans perdre de temps. Ce qui est un bien pour l'entreprise, y compris pour le consommateur final. Donc ce qu'on traque, je vais parler plutôt de ce qu'on a comme marchandise, ce qu'on rencontre dans notre quotidien. Il y a beaucoup de fruits et légumes, il y a beaucoup de produits, je dirais, de la chimie avec le site chimique de Montet, il y a beaucoup de produits de construction et tout ce que les Valaisans ont besoin. Cela étant, vous vous battez contre la fraude. Est-ce qu'il y a beaucoup de fraude en Suisse et en Valais ? Alors de la fraude, il y en a partout. Tout le monde n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a beaucoup aussi de la fraude qui se fait par méconnaissance de la loi. Par exemple, si vous prenez les médicaments, vous voulez acheter des médicaments à l'étranger, ça peut être des médicaments contrefaits. Alors la douane suisse dépend, on le sait peu, hein, du département fédéral des finances. Et pour cause, c'est que vous rapportez gros 60 millions par jour. 60 millions par jour, c'est ça environ. Ça fait 21 milliards par année. C'est le tiers du budget des recettes de la Confédération. Je pense que chacun y contribue, notamment par la TVA lors des importations, mais aussi par la vignette autoroutière, qui est aussi du ressort de la douane suisse, par la taxe sur les carburants, la taxe sur le tabac, les impôts sur l'alcool et aussi les droits de douane. C'est vrai que on est un gros poste qui rapporte à la Confédération, et cet argent est aussi investi surtout pour la formation, pour l'état des routes et dans plein de... d'attribution très importante pour notre confédération. Michaël Frossard, merci. On va retrouver tout à l'heure l'un de vos collègues qui est, lui, en uniforme. C'est un garde-frontière.